Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie donné en ce matin. Alors ce matin, je voulais saluer tous mes frères, tous ces adorateurs du monde entier. Alors vraiment, soyez salués mes frères dans le Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez aussi salués tous ces frères et sœurs qui ne sont pas de la même confession religieuse que nous, mais qui aiment, qui vivent, qui rencontrent le Seigneur. Jésus-Christ est venu pour que le monde soit sauvé. Et je crois que le monde sera sauvé. Nous sommes dans un temps merveilleux, le temps de carême. Le temps où nous nous exerçons à vivre une vie dans l'esprit. Une vie dans l'esprit. Et non une vie dans la chair. Notre test d'appui est tiré de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 4. C'est la parole de Dieu qui peut nous redonner la vie. Ce n'est pas une parole humaine, mais la parole de Dieu. Celui-là même qui s'est donné en sacrifice pour nous. Ce matin, je te prie de lever la voix pour bénir Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-le pour sa présence. Toi qui es au volant de ta voiture, bénis le Seigneur. Toi qui marches malgré cette nuit pénible que tu as eue, bénis le Seigneur. Toi qui es comme dans un vide et qui a comme l'impression que tu n'en peux plus, bénis le Seigneur. Parce que la nouvelle est bonne ce matin. Je suis le trône, t'adorer. Toi qui m'as libéré, t'adorer. Toi de qui me vient ma paix, je veux t'adorer. Maintenant dis-lui, je veux t'exprimer de mon cœur, celui de t'appartenir. Chante avec nous, je veux t'exprimer le désir de mon cœur. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Le désir de mon cœur. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Le désir de mon esprit. Je veux t'exprimer le désir de mon esprit, celui de t'appartenir. Le désir de mon cœur chante. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. De t'appartenir, Père. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Celui de t'appartenir. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Moi, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Je veux t'adorer. Car tu es tout pour moi.
sœurs qui cherchent ta face. Tu es tout pour mon frère qui te cherche. Tu es tout pour tous ces adorateurs qui te cherchent de partout. Oh Seigneur, tu es tout. Et ce matin, je veux te lire le texte qui nous servira d'appui pour notre moment de rencontre avec le Seigneur. Il est tiré de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Luc au chapitre 4. Nous avions médité auparavant le verset 1 au verset 3. Et dans le verset 1, au verset 2, nous avons découvert que Jésus, après ses 40 jours de jeûne, où il n'a pas mangé, où il n'a pas bu, c'est quand Jésus a eu faim que le diable est venu lui suggérer la nourriture. Alors, je comprends moi dans ma méditation personnelle que quand en nous il y a un désir, quand nous sommes attirés par quelque chose qui nous empêche même d'être dans la présence du Seigneur, quand nous sommes attirés par un bien, quand nous sommes attirés par une certaine gloire, alors le diable vient et nous fait des suggestions. Je vais tout te donner si tu m'adores. Mais il a oublié une chose, c'est que celui à qui il est en train de parler est la parole, c'est lui-là même qui a fondé le monde. Le monde n'existait pas, ce monde-là qu'il a présenté à Jésus, c'est Jésus qui l'a fondé. Il n'a pas fait tout ce qui est mauvais dans le monde, mais le monde même en lui-même, c'est lui qui l'a fait. Ta vie, c'est Jésus. Donc c'est Jésus seul qui est capable même de t'élever, c'est Jésus seul qui est capable de te mettre à ce poste. Tu n'as même pas besoin d'aller adorer un canari. Tu n'as même pas besoin de te mettre à un carrefour pour te laver. Tu n'as même pas besoin de déposer un canari à un carrefour. Parce que Jésus que tu adores tous les matins, c'est lui qui est le directeur général de toutes les entreprises. Alors nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons lui dire, Saint-Esprit, viens et descends. Parce que tu as été promis par le Père. C'est quand Jésus a résisté qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Et quand il montait, il dit, je ne vous laisse pas orphelin adorateur. Alors mets-toi dans sa présence. Il y a des propositions qui te sont faites pour accéder à un poste, pour vouloir obtenir la gloire. Non, toute gloire vient de notre Dieu. C'est à lui seul que revient la gloire. Tu as été promis consolateur. Oh, tu as été promis. Oh, Seigneur, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens et descends. Chante avec moi, tu as été promis. Tu as été promis, consolateur. Consolateur. Tu as été promis. Tu as été promis. Oh, 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 Seigneur. Tu as été promis. Tu as été promis. Dis-lui, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens ce matin, nous avons besoin de toi.
La chair, il y a la convoitise. Le diable, lui, ce qu'il a fait, c'est de montrer tout ce monde avec ses belles choses à notre Seigneur. Et lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. Tu as tellement peut-être convoité ce poste parce que tu es sûr que ton intelligence, ton diplôme peut t'emmener à ce poste. Mais comme depuis, tu n'accèdes pas à ce poste, alors le diable vient te suggérer des propositions pour que tu puisses te prosterner devant un humain. Pour que tu puisses te prosterner devant un humain, devant des propositions indécentes pour accéder à ce poste. Mais ce matin, pendant ta adoration, demande au Saint-Esprit de te rejoindre. Demande au Saint-Esprit, parce que le Seigneur dit, tu adoreras ton Dieu, lui et lui seul. Tu ne dois pas adorer un poste. Tu ne dois pas adorer une voiture au point où tu ne dors pas. Non, présente-toi au Seigneur. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'attache à lui. Dis, tu as promis, je veux résister. Mais j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je vais m'attacher. Oh Seigneur. Jésus, tu as promis que ton esprit sera là. Oh, oh. Moi, je sais de ta fidélité, Jésus. Ta fidélité durera toujours. Durera toujours.
tu vas dire Christ a promis d'être avec moi, tu vas parler de toi. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui parce que lui a su résister. Je m'accroche à lui. Alors si je m'accroche à lui, je pourrai résister. Je m'accroche à lui. Oh, Christ a promis d'être avec moi. Christ a promis de veiller sur moi. De veiller sur moi. Sa fidélité. Sa fidélité. Tu reras toujours. Sa fidélité. Sa fidélité. Tu reras toujours. Lui trouver dans ma vie ta présence. Une lampe allumée, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit éclairer mon cœur ce matin. Je veux choisir la confiance, avoir la confiance en Jésus, garder ma confiance en Jésus, espérer en Jésus. Oh, aimer, voir aimer. On reprend ensemble. Trouver dans ma vie, trouver dans ma vie. Ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Oh, je veux brûler, brûler à l'écho de ta voix qui résonne dans mon cœur. Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître tes pas et mettre mes pas dans tes ma soeur veut être brûlée quand le feu devient sang entre
t'attends. Oh Seigneur, sois sûr de tenter sans reprendre. Fêtez le retour de l'enfant. Dans ce deuxième couplet, il y a ce passage qui résonne dans mon cœur, ce verset. Ce passage qui dit « Choisis et donner sans reprendre ». Nous sommes dans un temps où nous nous exerçons à marcher comme notre Seigneur. Peut-être que nous avons fait du bien, peut-être que nous avons donné des choses à certaines personnes. Et aujourd'hui, ces personnes ne reconnaissent pas le bien que le Seigneur a fait dans leur vie au travers de nous. Et nous voulons reprendre ce que nous leur avons donné. Le cantique dit « Choisis de donner sans reprendre ». Si nous croyons que nous l'avons donné au nom du Seigneur, nous ne devons rien reprendre. Car c'est à Dieu seul, que revient la gloire. Alors cherchons le Seigneur dans notre cœur, trouvez dans ma vie ta présence. Ta présence, elle me fait du bien. Ta présence, elle me relève. Ta présence, elle m'éloigne de l'orgueil. Ta présence, elle m'éloigne de toutes ces tentations. Parce que je veux m'identifier à toi. Et ce matin, je veux que tu chantes avec nous. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. J'espère en toi. Dans tous mes désarrois, Seigneur, j'espère en toi. Malgré toutes ces propositions qui me sont faites, j'ai le choix d'aller déposer le canari pour avoir ce titre de directeur. J'ai le choix d'aller veiller devant la mer toute une nuit pour avoir ce mari que je cherche. J'ai le choix d'aller me prosterner devant des poissons qui se trouvent dans une eau adorée pour avoir l'enfant. Non, Seigneur, je ne me laisserai pas tenter. Mais j'espère en toi. Dis au Seigneur, j'espère en toi. Oui, j'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi, vivant, mystérieux, toujours près de moi. Chante avec moi, j'espère en toi, j'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi, vivant mystérieux, vivant mystérieux, toujours près de moi, toujours près de moi. Dans tous mes désarrois, tu garderas ma foi, j'espère. J'espère en toi. Oui, malgré les propositions que le monde met devant moi, moi je dis Jésus que j'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Je dis que j'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Oh, ma sœur, espère en toi, Jésus. Mon frère, espère en toi. Oh, nous espérons tous en toi, Jésus. Nous espérons en toi. Alors, vu que nous sommes en train de finir ce cantique, il faut le chanter. Sûrement qu'il reviendra beaucoup dans nos différents moments d'adoration. Parce que nous voulons affirmer notre foi en Jésus-Christ. En celui-là même qui a connu la tentation, mais qui a résisté. N'oublie pas de prendre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon
Saint-Luc, chapitre 4, le verset 5, parce que c'est le verset 5 que nous avons médité. Et dis-lui, j'espère en toi, j'espère en toi, j'espère en toi, qu'il te fortifie et t'aide à surmonter dans ce temps toutes les épreuves qui se dresseront devant toi. Que le Seigneur te bénisse. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon.